sepela moninga zi, sepela moninga bali. Libala kado ya nzambe, mama bumba yango. Libala kado ya nzambe, papa batela yango. Oye kanga mi likolo, e kanga mi penase. Oye pambwa mi likolo, e pambwa mi penase. Thank you.
nous voulons présenter premièrement la famille de notre bien-aimé Papa Bill Bilenge Douton d'Assisola. Il s'élève sous les acclamations de l'Église. Levez-vous. J'invite aussi la famille de notre sœur Gertrude Soukama Lomengo, s'ils sont là, levez-vous sous les acclamations de l'Église. Levez-vous sous les acclamations de l'Église. Amen. Je vais vous juste faire vous présenter l'homme de Dieu et notre papa. Je peux dire aussi notre papy dans la foi, le pasteur révérend CC Tela. On acclame le Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Acclamons le Seigneur. J'invite aussi les parrains qui sont là, couple Migo, de s'élever sous l'acclamation de l'Église. On acclame le Seigneur. Amen. Peut-être tu es invité, tu ne connais pas la sœur Gertrude, tu ne connais pas notre frère Bill, mais aujourd'hui ils sont là. C'est pour cela, bien-aimé, j'invite notre bien-aimé Bill de s'élever sous les acclamations de l'Église pour ce défi de joie. Et j'invite aussi la sœur Gertrude de s'élever sous les acclamations de l'Église. Amen. On vient s'asseoir dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons, avant d'écouter la parole de Dieu, avant de passer, bien-aimés, à la bénédiction, nous allons inviter un groupe de notre bien-aimé, ou bien on peut dire le groupe Elikia Gospel. Vous chantez pour nous un cantique pour la gloire de notre Dieu. S'ils sont là, je vous invite sous les acclamations de l'Église. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On est un peu crispé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, on doit être dans la joie. Alors, c'est pour cela que nous allons chanter une chanson pour remercier le Seigneur, notre Dieu, qui a permis cette occasion de nous réunir aujourd'hui. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour sa grandeur. Merci pour son amour qui a permis que notre bien-aimé puisse réaliser cette bénédiction que le Seigneur lui a promis dans sa vie. Zambi ifumu zazu. Zambi ifumu anza. A Kikongo, le Seigneur, plutôt en français, le Seigneur est le Créateur. Le Seigneur est notre Créateur, le Seigneur est notre Dieu. Nous en prions. Merci.
Dieu a prévu que je sois là devant vous. Mon introduction pour commencer ma prêche, c'est d'honorer le pasteur Tutonga. Qui était le pasteur de mon père. Un pasteur qui m'a béni depuis mon enfance aussi, parce que je suis l'enfant de l'Ekodi Misala. Donc quand on m'a dit que c'est moi qui devais prendre la parole et puis organiser tout ça, j'ai pensé aux papas qui sont partis. Je suis fier de ce papa-là. Qui nous ont orientés, qui nous ont permis de faire l'œuvre de Dieu, même pendant que eux ne sont pas là. Alors, pour couronner le tout, je vais que nous puissions tous chanter un cantique que les papas chantaient, qui est Yesu Yaka'a. Est-ce que vous vous rappelez encore de ces cantiques-là? Yesu Yaka'a. Il y a aussi des missions qui sont là pour nous. Allez, go! Yesu ya dans ta maison.
C'est vrai qu'Ézéchias a répondu. Ils sont vus. Mais le prophète a posé la question, qu'ont-ils vu? Papa Bill, qu'est-ce que les gens verront dans votre maison? Maman Gertrude, qu'est-ce que les gens vont voir dans votre maison? Et à nous tous qui sommes là, mariés, qu'est-ce qu'il y a dans vos maisons? Quand les gens entrent dans vos maisons, ils voient quoi? Tous les kilos d'or que j'ai ici.
je leur ai montré, j'ai ouvert les dépôts là où j'ai les kilos d'argent. Je leur ai montré combien de chevaux j'ai. Je leur ai montré l'étendue de ma richesse. Je leur ai montré comment je m'appelle Ézéchias, l'homme du 15. Comment je m'appelle la force de l'Éternel. Lui qui s'appelait force de Yahweh. N'est-ce pas? On vient dans sa maison pour chercher quelle est ta force. Mais lui dit, kilo d'or, kilo d'argent, kilo de make-up, kilo de cabello, kilo de quoi? Je suis français d'origine. Voilà, je voyage deux fois par mois. Si je ne suis pas à Dubaï, je suis usé. Comme s'il le fut. Yabi, l'occasion que tu me donnes de pouvoir te parler de la part du Seigneur ne me permet pas de tout parler en longueur. Non. De pouvoir tout simplement vous laisser cette question. Quand nous allons venir demain, quand nous allons venir après-demain, quand le parrain Nico va venir chez vous, qu'est-ce qu'ils trouveront chez vous? Alors, pour terminer ma prêche, je vous donnerai un conseil. Toi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu as quoi? Tu as reçu dans les études, gloire à Dieu. Tu as reçu dans les affaires, merci. Mais quand on vient là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le secret de cette chorale-là qui vient de nous libérer tout le temps comme ça? Hein? Seigneur, merci. Quel est le secret de cette chorale où les papas comme ça se mettent à chanter pour la gloire de Dieu? C'est une image forte. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? Quel est le secret de ta vieillesse? Quel est le secret? Donc, vous comprenez que je vais aller loin. Mais tu présentes quoi? Regardez, cet homme a présenté les cabines. Cet homme a présenté les kilos d'or. Cet homme a présenté les choses. Et Esaïe lui dit, ainsi dit l'Éternel. Les personnes là, les personnes qui sont venues n'avaient pas besoin de ça. Ces personnes là sont venues pour que tu leur dises que tu es la force, mais pas la force des hommes. Tu n'es pas la force des études, tu n'es pas la force de l'argent, tu n'es pas la force d'une famille, mais tu es la force de Yahweh. Au nom de Jésus, je veux que nous puissions tous élever la voix. Peut-être que c'est moi qui vais imposer le main, mais que tous nous puissions dire, Seigneur, nous voulons que tu sois le secret de ces couples. Je veux que nous tous nous puissions élever nos voix pour dire, Seigneur, c'est toi qui connais l'avenir. C'est toi, Seigneur, c'est toutes les questions que nous nous posons, nous n'avons pas de réponse, mais toi, tu as les réponses. Toi, Yah. Toi le 15, tu connais qu'est-ce qu'il faut faire. Toi la pleine lune, tu connais qu'est-ce qu'il faut faire. Toi les dieux de Zacharia, le souvenir de Yah. Ici Ézéchias, la force de Yah. Eh bien, je me suis vraiment préparé moi en tant que pasteur, quand on m'a dit que je devais bénir. Ne cherchez que ce qu'il y a à bénir. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que nous pouvons donner l'argent, on va donner les cadeaux tout à l'heure, on va leur communiquer la joie tout à l'heure dans la salle, on va leur communiquer tout. Mais je pense que le plus beau cadeau qu'on peut leur communiquer, c'est la présence de Yah. Oui, maman. Parce que si nous regardons très bien, la réussite de cette fête-là, c'était la présence de Yah. Si Yah n'était pas là, la Bible déclare qu'on a invité tout le monde
Mais la Bible marque une insiste comme si c'était à négliger. On a aussi invité Jésus. C'est comme si dans leur carton, ils connaissaient les invités. Donc Jésus est venu à la dernière minute. Oh, celui qui est venu à la dernière minute, c'est celui qui a produit. Tous les autres qui sont venus avant, ce n'était que des consommateurs. Et vous voulez qu'on invite les consommateurs ou les producteurs? Nous, nous voulons les producteurs. Seigneur, nous savons qu'ils vont connaître des problèmes, comme tout. Les vins, hein, peut manquer. Mais ce que nous sommes sûrs, si nous invoquons Yahweh, il est capable de donner le vin. Il est capable de donner le vin. Il est capable de remettre la joie, l'amour. En tout cas, il est capable de créer et la constance, et la stabilité, et la fermeté. Lui, il est Yahweh. Et que le Seigneur bénisse cette parole. Qu'il est Yahweh. Que le Seigneur ait béni la parole. Ah, j'étais en train de dire que le Seigneur bénit sa parole. Est-ce que vous êtes là? Tout a été créé par ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et cette parole-là a traversé nos pères, nos papis, et cette parole-là tombe sur les enfants. Et nous voulons continuer cette histoire. Voilà pourquoi, sous l'onction de cette parole, que les dieux de IA descendent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il y a une courageuse là qui se met?
question. La question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que la famille Toutoun s'est présentée à la famille Soukama? Et la famille Soukama a posé des conditions. Vous pouvez nous assurer que tout s'est bien passé et que la famille Toutoun accepte que Jétré ne puisse s'appeler aussi demain quoi? Gertrude, Soukama, Domingo et puis tout d'autre. Est-ce que vous entendez, maman? Non! Oui! On a tout à fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Excusez-moi, Yaya. Signe d'alliance, peut-être, parce que tu es le représentant de la famille. Tu peux ne fût que saluer. Saluer, je le fais. Ah. Bon, Covid exige, tu peux même lui faire ça. C'est pas grave. Hein? Tu lui fais ça parce que ce dernier là pour saluer, c'est chaud. Pendant que vous saluez là, les photographes derrière pour mémoriser ce temps. Fais-lui un check, comme disent le jeune. Un check. L'approbation, n'est-ce pas, de la famille Toutoun. Maintenant, maman Gertrude vient d'une famille qui s'appelle Soukama. Famille Toutoun est venue. Est-ce que le frère Bill s'est présenté? Est-ce que le frère Bill a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions déclarer les paroles de Yah? Si vous êtes d'accord, quelqu'un d'entre vous aussi est courageux ou une courageuse peut venir. Voilà. Amen. D'accord. Il y a Jésus.
a voulu que cette histoire-là reste entre nous. Je te rappelle encore quand on préparait cette histoire, on se disait, papa, nous voulons que tout reste concentré sur l'événement. Et moi, je m'efforce. Yeah. Devant Dia, est-ce que toi aussi, devant les anges, devant ta famille, devant ton pasteur que je suis, devant les parents qui sont derrière, le couple libre, est-ce que tu acceptes aussi ma famille pour te mettre dans ton mari et tu seras derrière? Tu l'aimeras dans le bon comme dans le mauvais moment. Tu seras toujours là pour lui donner le plus que j'ai dit tout à l'heure. Par oui ou par non? Yes, I do. Yeah.
comme la bouche de Dieu, comme représentant de Dieu sur la terre. Je déclare, je décrète que tout ce que le ciel apporte comme bénédiction par les liens du mariage vous soit accordé dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus de Nazareth, je vous communique la force de l'âme. Soit votre Dieu. Que la force de Yahweh puisse détruire, renverser toutes les volontés humaines. Que la bénédiction de Dieu qui a réussi, que la paix de vos corps, maintenant, votre âme, votre esprit, que Dieu vous amène loin. Ouais.
Eva Mudango, Charles qui m'a congo les camels. Richard Lumona du Chico Trans Matadi. John Kawela. Archibald Kabo International. J.P. Minga le big manager. Claude Wonga le banquier. Le padre, c'est des chers. Bolingo zala ta foulou, je suis mon tombeau.
Bon général Raus, au service de la nation. Bon général Defe Kaim. Joe Modem Aleli. Erado prince des Amunda. Cherigola, papa d'histoire. Jonas Bouloubou. Didier Chombo, petit Jésus. Son de Wolo. Et passe à Bambongo les millionnaires. La première dame, Nes Bofona, Patrick Kazadi. Samedi Souka na la simplicité. Nabosani ote Gabi Mukendio. Olinga Gisena Kenda Chika Paye. Voilà pourquoi je vous dis encore une fois de plus. Bonsoir. Voilà, si nous sommes là ce soir, c'est à l'occasion de ce mariage, de ces beaux jours, dit-on un jour et une histoire. Vous savez qu'il existe ces trois sortes de mariage. Le mariage qui dit coutumier, qui régit les deux familles. Le mariage dit religieux, par l'Église qui dépend d'une religion. Et le mariage dit civil, par rapport à l'autorité de l'Église. Mais il a osé aujourd'hui parce qu'il s'est dit, certes c'est vrai, que les familles se sont déjà dit oui. Mais nous ne sommes pas encore dit oui, donc je devrais la mettre cette bague, où je devrais dire une phrase que vous allez comprendre tout à l'heure, tout au long de ce mariage. Nous sommes venus manger, danser et boire à l'occasion de ce Bill et j'ai appris. La coutume exige. Voilà pourquoi je vais demander, nous allons devoir nous lever poliment, avant que le roi puisse faire son entrée. Vous allez comprendre quoi suivre la soirée accompagnée des sarrés. C'est vrai que nous allons monter à l'autre de Molière, mais nous allons de la tête. Ah. Parce que c'est beaucoup plus. Sans rien organiser, mais nous sommes dit, la reine de la soirée c'est dit. Ne pouvez pas entrer sans pour autant que vous soyez là. Parce que vous êtes là pour honorer et immortaliser cette soirée. Sans plus tarder, le roi, le grand Messébi, qui sera accompagné de la reine ce soir, Gertrude qui est honorée ce soir, qui se sont dit oui devant Dieu, à l'église. Et ils ont décidé d'immortaliser cette soirée des bons. Sans plus tarder, nous allons recevoir celui qui a l'honneur ce soir. Celle qui a l'honneur ce soir. C'est bon pour que tout le monde ce soir. DJ, c'est parti, les mariés vont devoir faire leur entrée. Sous mon applaudissement, il est là ce soir parmi nous. Il a osé ce soir ce grand discours encore. Ce soir, le roi accompagné de la reine, qui sera parmi nous. Le roi qui de la reine,
approchez. C'est bon. Voilà, approchez, approchez. On s'est appelé les mariés. Dansez avec les mariés. C'est l'ambiance, c'est parti. Assure la paix et le plaisir. Ah, ah, ah. Oh, yes,
Même le parrain, vous pouvez vous asseoir, la marraine qui s'assoit, juste le marié. Et je vais demander, très chers invités, s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir, si on peut laisser le couloir. Protocole, aidez-nous que ma femme. Vous êtes debout, on ne sait pas voir. S'il vous plaît, les dames. S'il vous plaît, on ne sait pas voir. On doit voir le mari. Voilà. Jadis à l'introduction, si nous sommes venus ce soir, c'est parce que c'est très beau. Ce roi qui est accompagné de sa reine. La reine, si vous pouvez regarder de ses côtés. Vous allez comprendre, il faut comprendre la reine, parce qu'elle n'est pas habituée de cette robe. Elle ne sera jamais habituée parce que c'est la première et la dernière fois qu'elle apporte. Elle est très belle avec sa couronne. Si vous êtes là ce soir, peut-être, de la part de cette reine Gertrude, sachez que ces grands messieurs qui l'ont honoré ce soir s'appellent Bitutunda qui est là parmi nous, le roi. Si vous voulez l'applaudir encore très fort, applaudissez très fort pour le roi de cette soirée. Et maintenant, on est venu de la part de ce roi élégant, très bien habillé ce soir, qui a honoré cette grande dame, qui est la reine de cette soirée, avec sa couronne en diamant, avec sa plus belle robe de la vie qui est rêvée par toutes les dames. Si
nous est venu de la part de Bill, sachez que là où l'on sortait, c'était souffrir de l'appeler désormais Madame Toutouba. Parce que vous savez que l'on change de nom une seule fois dans la vie, c'est le jour du baptême. Mais la femme change de nom deux fois dans la vie. Le jour de son baptême et le jour où elle appartient à la moitié de sa vie. Et c'est si rare que Madame Gertrude désormais s'appellera Gertrude Toutouba. Si vous applaudez pour lui très fort. Vous savez, le roi m'a dit quelque chose, c'est vrai qu'elle aime sa femme, ça date déjà qu'ils sont ensemble. Mais il s'est dit une chose. C'est vrai, devant la famille, vous pouvez faire des cérémonies, le mariage qu'on appelle pour subir. Mais le rêve de promettre une chose, de mettre cette bague et de dire une phrase devant Dieu, devant la nation et devant le monde, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il a choisi ce mariage d'une religion pour accomplir son destin et dire cette phrase. Voilà pourquoi il s'est senti oui, que personne ne partage devant Dieu, devant la nation et devant le monde. Merci infiniment. Si on peut applaudir très fort pour ce marié, vous pouvez vous asseoir très fort encore, applaudissant pour lui. DJ Geneva, c'est parti. Combien mémorable. David ne disait-il pas, fais-moi du bien et le juste m'entourera. Tu as fait du bien à Papa Bill Bilingué, tu as fait du bien à Gertrude. Voilà pourquoi nous tous, juste, nous sommes là pour les entourer afin de célébrer ce que tu as fait dans leur vie. Mais chaque fois que les hommes se sont retrouvés pour célébrer ton miracle, célébrer tes bienfaits et tes bontés, Seigneur, cela a été toujours cimenté par un repas. Voilà pourquoi nous voulons bénir ce repas dans le nom de Jésus. Nous voulons penser à toutes les femmes qui ont pu préparer ce repas, qu'elle soit bénie. Merci pour cette soirée. Nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Tu as commencé avec nous et nous terminerons avec toi. Et partout il y aura des insuffisances, nous t'avons déjà appelé, toi le producteur par excellence. Seigneur, donne-nous ce que nous allons manquer pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier et nous disons Je vais comme kindi na suka, basse qui est et à l'obi, mon sikolina à côté de moi, mon tasuka na nyonso. Yango na tuta zolo, nazana moninga ya motema. Lokola moto wa zipepo, na bokuta nina oyo ale ina nyoso nzambe na bomo. Sofi ya suke, belinga yo na kufakala. Asifu sanyo so yonga nako na zalo na mumaka. Sofi ya suke, Uta na yeba yeso yo uluna kati nangai bambu mayabu lingo elikila abu moto wanga. Natangwa Josue, moye telemaki,
Nagolo gote pakata kimbango Kimye kota kina mokili Boyo sole levant Oyo mouma kina katina bato Mon Jésus Elonde nabi kumba Opesa ngangolo izanga suka Nabange lokote Atabitumba eye makasi Ngai nalenga lenga teo Natunga mana moli momo santo sira sa vina pa Nakoma propriété ya zambe Soki o simbi mo simbi yesu elombe Mon ami e fidèle Oh, na sepe la kana sekure na ye Poete ya koma nyoso ponanga Mon Jésus e fidèle Mais par surprise, vous allez comprendre ce soir Vraiment je vous en prie Je sais qu'en ce moment vous mangez Mais c'est pour retirer attention ma casse Boyoka, ça fera tellement du bien. You understand? Hello, hello. Good evening, everyone. Bonsoir, everyone. Béa? Bonsoir. Hello, hello, hello. My French is not good. Je vais parler en français un petit peu, mais il va faire la translation. It's good? Yeah? Yes? Thank you. All right. Thank you very much. It's always been an honor to be asked to write a speech for someone you love and who has been there for you your whole life. I get to stand up for the woman who has stood up for me and my siblings from the day I was born. C'est toujours un honneur d'être invité à écrire un discours pour quelqu'un que vous aimez, qui a toujours été là depuis notre naissance. Et je serai toujours là pour la défendre, celle qui nous a toujours défendu, moi et mes frères, depuis le jour de notre naissance. Even when I would come back, no, sorry. At the age of 18, I left home to go to university. And although you still had Priscilla and Edgar, I could see a little bit of happiness had been drained from you. It's not that fair for you, who is someone who has given so much to everyone in return. À l'âge de 18 ans, j'ai quitté la maison. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté la maison pour aller à l'université. Et même si je savais toujours que Priscilla et Edgar étaient à la maison, je pouvais voir qu'un peu de bonheur lui a été retiré. Et je trouve ça pas juste pour une personne qui a tant donné pour les autres et qui n'a jamais rien reçu en retour. Even when I would come back and visit, you continue to be strong, still smiling, giving jokes. But fast forward 12 years and things have changed. Me and my sister have a child and the next generation of our family is evolving. Même quand je revenais à la maison, tu continues à être forte. Tu étais toujours très souriante, tu nous sortais toujours des blagues. Mais 12 ans après, les choses ont changé. Ma sœur et moi, nous avons tous deux des enfants et notre prochaine génération de notre famille a continué à évoluer. It's only right you have found someone to compliment your character. Although me and Bill have only spoken in a short amount of time, I can see his character matches yours. He seems kind, willing to go and be above and beyond for you. His English is not good, but it's okay. Broken English is better than no English. He seems to be very tender and accepting to our family. Il est normal que tu aies trouvé quelqu'un pour complémenter ta personnalité. Bien que Bill et moi ne vont que parler très peu, mais je trouve sa personnalité qui correspond fortement à la tienne. Il a l'air d'être gentil, qui parle un peu d'anglais, qui rien du tout. Et je vois que sa tendresse envers toi est bonne pour toi, ainsi que notre famille. Et moi et mes frères, nous l'avons accepté. Bill. Me, my brother, and my sister would like to extend our thank yous for looking after my mother. But we would also like to accept you into our family as you have accepted us into yours. Bill, moi et mes frères, nous aimerons tant te remercier d'être là pour notre mère et de toujours t'occuper d'elle. Mais nous aimerons également t'accepter dans notre famille comme toi tu nous as accepté dans ta famille. Mom has always said no one should ever spend their life alone.
The fact that both of you have found each other to do this exciting journey with each other says a lot about you. Maman a toujours dit que personne ne devrait jamais passer sa vie seule. Et le fait que vous faites tous les deux trouver pour faire ce voyage passionnant ensemble les rend très fiers. I know we won't be seeing any more half siblings because your ages, no offense, but I would also like to welcome my new step siblings. And if you ever need anything or advice or come to London, please contact me and I'll look after you, alright? Je sais que nous n'aurons plus de début froid de se reconnaître à cause de votre âge, c'est pas une issue. Mais j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à mes nouveaux demi-frères et sœurs. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose ou des conseils, vous pourrez toujours compter sur moi ou m'appeler. Mom and Bill, may you be rich in triumph, poor in challenges. May you grow in love and admiration for one another, and may you respect and honesty flourish in your home. Your sincerely, your family. Maman et Bill, puissiez-vous être riche et triomphe, pauvre en défi, puissiez-vous grandir dans l'amour et dans l'admiration les uns pour les autres, et que le respect et l'honnêteté s'épanouissent dans votre foyer. Je vous aime. Thank you. Allez faire embrasser, voilà, vous devez comprendre. Tu vas applaudir encore très fort. Oh, là, c'est un garçon qui parle à sa maman. Voilà. Vous savez, j'ai beaucoup aimé parce que Dieu a tenu une chose dans son discours. Il a fait comprendre. I love you.
je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste Basuma, lo la moda es para su
Bonnie, ma couille,
Yeah.
appelé ma famille. Thank you.
bête la mambo comme ils sont encore. Alors là, on va accompagner le marié pendant que gâteau, donc voilà. Tu vas accompagner Bango, on a passé à la moussala, on a Bango, on va faire un gâteau, on a gâteau ensemble. Voilà. Respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la main, j'ai sorti la campagne et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, pour le marié, s'il vous plaît. Vous serez plus de joie, merci. C'est juste une pause en réfi après les dangers. Et si tu crois que je tourne, je vois que tu m'as dit. Si tu crois que tu en as tout le monde, tu es en train. Thank you.
Au niveau des caméras, reportage photo vidéo, Rodrigue.